Vous regardez RTL. Dans un mois, c'est Noël, le réveillon, cela ne vous aura pas échappé. Et RTL, vous êtes ce matin à remplir votre hôte. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Sophie Orange. Bonjour à tous. Alors dites-nous, qu'est-ce qui va faire plaisir aux enfants cette année? Alors déjà, vous n'allez pas échapper à la mode des robots et des jeux autour du codage, désormais enseignés à l'école et au collège. C'est vraiment la tendance avec par exemple le robot de chez Lego. Oui, les Lego parlent, le Lego Boost. Bonjour, je m'appelle Bernie, ravie de te rencontrer. Et là, ce qu'on entend, c'est le robot construit par l'enfant lui-même qui se déplace. Il joue via une application sur la tablette. Vous avez aussi le robot Cosmo. C'est aussi à partir de 8 ans, l'enfant va programmer son robot pour qu'il réalise un certain nombre d'actions, plus ou moins compliquées. On va décider de le faire avancer. Ensuite, lorsqu'il va voir ce cube, il va se comporter comme un chat. Le codage est clairement dans l'air du temps, explique Sandrine Mies, la directrice marketing de Anki, qui fabrique Cosmo. Les enfants aujourd'hui, ils découvrent le principe du codage dès le primaire et ils apprennent à coder au collège. La plupart du temps, ils le font sur un ordinateur avec un écran. Avec Cosmo, c'est la possibilité de le voir en action à travers un robot. Il a bien été programmé, hein, mon petit robot. Hein. Pour les petits dès 5 ans, le robot Doc, dès 5 ans, hein, le robot chez Clémentoni. Alors lui, coûte 35 euros. Les robots plus perfectionnés, en revanche, peuvent aller jusqu'à 200 euros ou plus. Dites-moi, Sophie, qu'est-ce que vous avez entre les mains là? Je vous le donne, la pâte à slime. Oui. Cette année, c'est vraiment le gros carton. Je l'ai faite moi-même, hein, je vous préviens, tôt ce matin. Ça ne se mange pas. En mélangeant des ingrédients. C'est l'un des cartons de l'année pour Alba Yoshka. Alba touché ça avec un certain dégoût. C'est gluant, mais ça ne colle pas. Yoshka de Raspi, directeur du magasin à la Grande Récré à Boulogne-Billancourt. Je pensais que c'était un phénomène qui allait s'essouffler, mais les enfants continuent à jouer avec le slime, à pouvoir le personnaliser avec les paillettes. On va pouvoir réaliser le plus beau slime, le slime le plus doux, c'est ce qui fait la magie de ce produit, et jouer avec dans la cour de récré. Vous avez entendu des slimes à paillettes et vous en avez déjà plein les mains. Il y a des paillettes partout cette année, en déco, sur les vêtements, et donc forcément, dans les jouets et sur les doigts. Et les jouets ne sont pas coupés du monde. Les poupées Corol, par exemple, toujours à la pointe de la mode. Une tendance analysée par Muriel Joron, directrice marketing de Corol. Ça brille, c'est la fête. Peut-être qu'on a besoin de se rassurer, d'oublier que la conjoncture est un peu morose. Alors oui, la paillette, ça met un peu de joie dans nos vies, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Qui a dit que les paillettes étaient réservées aux filles? Faire la fête, scintiller, c'est pour tout le monde finalement. Autre jouet que les enfants vont adorer, les toupies Beyblade. On les connaît déjà, puisqu'elles ont cartonné l'an dernier 2 millions de ventes, et ça continue. Mais aussi les Hatchimals, regardez. C'est un petit œuf. Vous allez le caresser pendant quelques minutes, et il va éclore et va apparaître une magnifique petite peluche. Et la peluche change évidemment en fonction de l'œuf, donc d'où la surprise et les enfants font collection. Elle est très moche, vous pouvez la voir. Elle n'est pas trop moche, c'est pas vrai. L'autre grand phénomène, c'est la licorne absolument sous toutes ses formes, succès attendu chez Toy Story par exemple. Elle est belle ma licorne. Par l'un des acheteurs, Geoffrey Mingot. Ce qui plaît en fait, c'est qu'on est sur un animal complètement fantastique, féerique. Il y a quelque chose qui se crée vraiment autour de cet animal, des peluches, des doudous, avec des produits technologiques tels que des enceintes lumineuses où les enfants pourront s'approprier donc leur propre musique, des tranchages beaucoup plus hautes. Et là, la licorne qu'on entend, c'est Zoomer Licorne qu'on va trouver chez Toys R Us, capable de se déplacer toute seule. Et là, elle est contente parce qu'on lui coiffe la crinière. C'est normal. Et elle a même des étoiles dans les yeux. Vous aimez bien qu'on vous coiffe la crinière. Calmez-vous. Alors, on n'oublie pas les valeurs sûres, jeux de société, Monopoly, Scrabble, le Milbourne, version numérique, et des petits nouveaux comme Ta mère en slip. C'est un jeu de société très drôle. Vous allez créer des combinaisons avec des cartes sur des lunettes et vous pourrez, par exemple, faire en sorte que Kim Kardashian passe son bac ou alors que Donald Trump aille en vacances au Cap d'Agde. Des trucs improbables. Autre jeu, Médor pète fort. Bon, là, je vous remercie. Merci. Non. Ou Baf, jeu de main, jeu de ville. Avec toutes ces nouveautés, les classiques, les professionnels espèrent une croissance de 3% cette année, sachant que ça démarre doucement, puisque nous sommes en baisse sur le mois d'octobre, moins 6%. Merci beaucoup, Ça Sophie. Va être un joyeux Noël. Bah oui, tout en guirlande, elle scintille. Et Sophie. En paillettes. Alors, je vous rappelle que si vous voulez voir tout cela quand même, sur RTL.fr, Monsieur Cini et sa petite Il joue licorne, avec sa licorne. La pâte à slime. Merci, que j'appelle le je blob. Je vous donne votre porte-clé. Et mon petit porte-clé. Ouais. Et les robots qui ne font pas la vaisselle ni passent l'aspirateur, mais c'est pas grave. Voilà. Bah, écoutez, vous nous retrouvez dans quelques instants sur RTL.fr et surtout, maintenant, Monsieur Cini est à venir pour quelque chose d'un peu plus sérieux. Enfin, ça, je n'en sais rien. Rendez-moi ma licorne. RTL 7h22.